Bonsoir les gens. Bon, j'ai envie de changer un petit peu hein, parce que faire du CS c'est bien, mais je joue tellement mal que on va partir sur un petit Another World. Ah, le temps de s'installer. On a bien viré toutes les sauvegardes, donc on va le reprendre depuis le début hein, parce que j'ai déjà torché en long en travers en 1991. Et puis là, on va jouer sur la version 20e anniversaire. Donc forcément, ça va piquer un peu plus. Ça dégage. Allez. Commence dans la flotte. Bien sûr, pour rigoler, on peut le laisser crever. On peut voir qu'il va y avoir des petites tentacules qui vont arriver. Et... Oh mon Dieu! Donc, le but du jeu, c'est de foutre le camp le plus rapidement. Qu'il y a le bestiole qui nous guette. Si on reste devant, bien sûr, on va se taper les tentacules. Donc, le but du jeu, c'est de ne pas rester à cet écran, sinon on se fait choper. Là, il y a des trucs qui descendent du plafond, on vient de les voir. Hop là. Voilà ce qui se passe. Donc, on recommence toujours. Oh. Ça marche bien, genre de le faire en speedrun celui-là. Alors oui, voilà. Effectivement, en appuyant sur le bouton de la manette, on peut voir ce qu'on avait à l'époque. Un beau graphisme bien pixelisé.
Et pour l'époque, c'était 1991, bon, c'était il y a longtemps. Bon, on va arrêter de se trouver en boucle comme des merdes. Bon, je vais arrêter. Non mais... Bien d'accord, il y a pas de droit à l'erreur. Parce que les saloperies reviennent en fait. Hein. La blague. Si on attend, je sais plus si on a la bestiole. Si on veut. Je sais plus. Ah non. On peut l'activer d'abord, c'est ça. Le but du jeu, c'est de s'amuser à faire osciller tranquillement la cage pour qu'elle descende. Sur la gueule.
Ne pas oublier de ramasser l'arme. Voilà ce qui se passe. Je sais plus combien de tirs on a. Donc le premier tir, tir en laser, le deuxième, tir en bouclier. Et le troisième. Gros laser. Mais malheureusement, il faut pas tout cramer. À l'époque hein, sur Amiga, voilà ce qu'on avait. Enfin non, quoi que même pas ça, ça doit être la version certainement sur Mega Drive. Donc là effectivement ça a été bien relissé. C'est vrai que quand on découvrait ça pour la première fois, ça foutait quand même bien des bonnes sensations quoi. On va redescendre. Mourir assez rapidement. Bon, là-haut. Vu qu'il y a un crétin qui est en haut. Là, on voit donc en bas les petits points bleus. Il faut les désactiver. On fait sauter la protection de la porte, on monte. On explose la porte, on descend, on y va. On attend qu'ils viennent nous ouvrir. Hop là. On peut voir en haut qui va se prendre. Un garde dans la gueule, donc il va falloir y aller tranquille et éviter les jets de vapeur et surtout éviter de tomber trop, sinon bah bien sûr on va mourir comme une merde. S'approcher en attendant. Ah.
Pas doué ce soir, pas doué. Bien sûr, j'y vais en écoutant l'autre. Bon, allez, c'est reparti. Bon, boucle. C'est plaisant, non, de le faire souffrir. Hein. Ah, la douleur peut être une source de plaisir. Et oui, c'était pas par là, il fallait aller à droite. C'était la blague. C'était très drôle. Bah oui, parce que d'ailleurs, on peut aussi aller par là. Mais attention, là, tout de suite, ça va être beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus. Donc là, on vient de recharger le gun, ce qui veut dire que cette fois-ci, on a pour un bon petit moment. Recharger. Alors là, il faut pas se rater, sinon on se prend un pic. Vu qu'on est un petit peu bloqué là, on peut plus aller nulle part. Si on tombe, on se fait éclater la gueule par des pics. Du coup, le but du jeu, c'est de faire un trou dans le mur. Fallait le trouver quand même à l'époque. Bon, ben, on va se quitter là pour la première partie. Et puis, bon, de toute façon, il est assez rapide à faire. Hein. Je ferai une partie 2 et certainement une partie 3. Donc bon voilà, en espérant que vous avez bien rigolé à me voir crever comme une grosse merde. Hein? Voilà, et puis je vous dis bah au prochain coup. Allez, ciao ciao.